Ah, j'ai l'impression qu'il a craché mon... Bref, oui, c'est malheureux, une habitation qui parlait des fissures dans l'habitat avec les chaleurs et que ça devient sec. Vous voyez, là, on est à Nancy, intramuros, et on a un balcon qui est sur le point de s'effondrer. C'est craignos, ça. C'est dommage parce que c'est des belles demeures. Nancy, je le rappelle, est une ville de l'art nouveau. Donc tout ce qui est belle forme au niveau des balcons. Ouais, encore que... Alors là, tu vois, je distinguerais les fissures de surface des fissures structurelles qui mettent en péril le bâtiment lui-même, quoi. T'es sérieux? T'as fait ton dentiste ici? Moi aussi. N'oublie pas qu'on avait le même. Docteur Ballon. Putain, on avait le même. C'était celui de mon père. Elle est bonne, celle-là. C'était aussi celui de mon père. Putain, c'est marrant, ça. C'est dingue. Ouais. Ah, c'est dingue qu'on ait eu le... Nos pères se connaissaient. Bah, mon père, il a bossé pour Berger Levrault, je peux le dire. Hein, c'est pas... Mon père, il a bossé... C'est pas privé. Je sais plus pour qui il a bossé, mais il est expert comptable. Ah, bah, il a peut-être bossé pour Berger Levrault. De toute façon, c'était une grosse structure à l'époque. Hein. Maintenant, c'est devenu... D'accord. Est-ce que cette information est confidentielle? Ça? Non. Ah, ok, moi non plus. Non, ça n'a rien de confidentiel. Bon, au pire, si tu penses que mettre une bourde, j'aimerais éviter de faire un montage, mais oui, je te fais confiance jusqu'à maintenant, il n'y a jamais de soucis. Parler de mon dentiste, toi. Ah là 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 là. Donc oui, ça va, là, il n'y a pas grand monde. Bon, j'ai encore l'effet gerbotron parce que j'ai pas activé le... J'ai pas pris le matos avec stabilisateur, mais ça va venir, vous inquiétez pas, les copains. Le magasin dit qu'ils ont faim. Oh, Mickey est bête. Mickey est bête. Ouais. Oui, effectivement. Oh mince, je filme la face qui écrate sans... Oui, voilà, on voit la clanche, le jeu de mots. Voilà, ils ont faim. Ah, là, on voit qu'il fait beau, par exemple. Alors, je vous dis tout de suite, je suis regardé bizarrement par les gens qui sont en volant ou sur des trottoirs opposés, parce qu'évidemment, ils voient bien que je fais une activité inhabituelle qui est de filmer. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est des rues qu'on vous a jamais présentées. C'est bien, ça vous donne à peu près l'esprit de la ville. En espérant qu'elle soit pas trop crade. Encore hier, j'ai fait une petite course en fin de journée et j'avais des cartons, des papiers qui volaient au vent. Il y a eu quelques bourrasques hier. Et c'était pas joli joli, ouais, au niveau du sol. Oui, j'ai bien, je viens de filmer du coup un passage, le feu de piétons. Je sais pas si t'es au courant, mais ils vont expérimenter un tricolore pour les piétons à Nancy, à Poincaré. Pourquoi un tricolore orange aussi? Oui, il y aura trois feux désormais, plus deux. Ce sera plus vert rouge, mais vert orange rouge. Et c'est une expérimentation pendant 2 ans du code de la route dans 7-8 villes de France. Nancy s'est portée candidate et a choisi de poster les feux expérimentaux. Tu vois le triangle de Poincaré? Mmh. Je vois. Bah, peut-être si j'ai du courage en fin de journée, que je suis pas trop explosé, j'irai peut-être jusque là filmer pour illustrer mon propos avant de revenir sur la fin. On verra, optionnel. Est-ce que ça, il faut expérimenter comme en Allemagne et d'autres pays d'Europe, le vert, orange, rouge, et ensuite ça repasse à l'orange et ensuite au rouge, comme ça on est prêt à bondir. Alors moi j'aime bien cette mentalité, on va dire, c'était une manière de faire allemande. La dernière fois que je suis allé en Allemagne, effectivement, pour, on va dire, mes affaires japonaises. Je l'avais observé avec plaisir. C'est vrai que c'est pas... Il faudrait presque faire un comparatif avec une vidéo sur internet, ça doit se trouver, de voir la différence entre un feu de signalisation programmé à l'allemande et programmé à la française. Et moi je serais pour, mais le temps que le public français s'adapte et s'accapare le fonctionnement du feu, c'est une autre lecture en fait. Et une autre manière de agir d'ailleurs vis-à-vis du code signalé. Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'outre Rhin, la donne est bien différente. Bon, là je vais plaquer le sol parce qu'il y a des inconnus. Et là, c'est un peu con parce que vous allez voir la dégueulasserie sur le trottoir. Ah là là.